Le musée des Beaux-Arts de Rouen a été entièrement restructuré sous le contrôle d'André Poutman au début des années 90, avec une première inauguration de l'aile nord en 1992 et inauguration de l'aile sud en 1994. Ça a été l'occasion, à l'époque, à travers ces travaux, de récupérer deux volumes de 400 mètres carrés chacun, qui étaient des cours intérieures du musée. La cour nord servait d'atelier, la cour sud servait de salle d'exposition temporaire, et le conservateur de l'époque, Monsieur Bergot, avec André Poutman, ont décidé de couvrir ces deux salles d'une verrière pour récupérer deux volumes d'espace complètement intégrés au musée. Et dans la partie sud, cette verrière a permis de créer un véritable jardin des sculptures, avec une remise à niveau du sol avec l'ensemble des collections du premier étage du musée. Et cette surélévation du sol a permis de mettre en connexion non seulement le jardin des sculptures et le reste des collections, mais de créer au rez-de-chaussée du musée un auditorium qui initialement n'était pas du tout prévu par l'architecte Sauvageau à la fin du 19e siècle. Ce jardin des sculptures permet de voir des sculptures dans un espace muséal, mais comme si on était en plein air, et la plupart des sculptures du 19e étaient essentiellement prévues pour être des œuvres en extérieur, de lieux, de places publiques, de jardins. C'est pour ça qu'un bassin a été créé pour accueillir la sculpture Orphée et la sirène du sculpteur Hanau. Avec création d'un bassin, ça a été l'occasion aussi d'introduire, ce qui est plutôt rare dans les musées, des plantes vertes, des ficus, pour redonner l'impression d'un jardin et créer l'impression d'un espace quasiment naturel, ou en tout cas d'un espace extérieur qui est baigné d'une très très belle lumière à cause de cette verrière. Verrière qui était initialement prévue par l'architecte Sauvageau et qui aurait dû être construite à la fin du 19e, mais le projet avait avorté. Et finalement, la restructuration d'André Poutman a parachevé ce qui avait été le projet initial de l'architecte Sauvageau. Et la création de ce jardin des sculptures doté d'une belle verrière a permis non seulement d'ouvrir l'espace du musée et de déployer les collections, notamment sur le plan des œuvres sculptées, mais ça a été aussi l'occasion de créer un espace de convivialité avec l'intégration dans ce lieu d'un bar-restaurant, le Sisley. Et c'est un lieu qui est parfaitement accessible gratuitement, à l'exception du tout le reste du musée. Et c'est l'occasion d'être au milieu de très belles peintures, de très belles sculptures, et de pouvoir boire, manger, discuter, se retrouver avec des amis.